Si vous trouvez Minecraft trop facile, croyez-moi que ça va pas être le cas dans cette vidéo. Le youtubeur Fundy a récemment sorti une vidéo dans laquelle tout simplement il avait créé une nouvelle difficulté de Minecraft, il fait beaucoup ça. Sauf que cette difficulté elle est pas simplement dure, disons qu'elle est très bizarre et très très dure. Donc bien sûr il a créé cette difficulté pour que des gens, des youtubeurs puissent la tester, puissent faire des vidéos dessus. Donc si vous avez déjà vu des youtubeurs qui l'ont testé, honnêtement j'en ai pas vu mais je pense qu'il y en a très certainement. Donc aujourd'hui on va relever le défi de Fundy en fait, c'est essayer de finir Minecraft avec sa difficulté. Chose importante à noter, c'est étant donné que ça va être très dur, j'ai activé la fonction en fait Game Rule Keeper Mentoris qui fait que quand je meurs je garde mon inventaire parce que vous allez voir je vais énormément mourir sauf que pour que ce soit un minimum intéressant bah je vais garder mon inventaire. Du coup je suis en 1.15.2 et on va essayer de commencer donc on va voir au fur et à mesure les fonctionnalités qui ont été ajoutées. Donc on va commencer, j'ai regardé sa vidéo mais je me suis pas trop spoilé parce que j'ai pas forcément voulu regarder. Ah oui d'accord, ça je me souviens. En fait quand on va dans l'herbe bah, on a du poison parce que c'est un petit peu venimeux, je sais pas trop pourquoi. Comment ça y a un Enderman invisible? Comment ça y a des Enderman invisibles? Hop là, vous avez vu, je suis un pro. Donc on va commencer à casser du bois et comme vous l'avez vu, tout simplement ça se transforme en bois comme ça. Pourquoi? Ça explose aussi. Si j'ai bien compris, c'est vraiment parce que ces blocs sont hyper moches. Par contre, non, il y a vraiment des Endermen invisibles. Non, par contre, ça c'est pas normal. Ça, je me souviens pas. De toute façon, j'ai pas vu sa vidéo entièrement. Si ça se trouve, il en a parlé. Mais il y a vraiment des Endermen invisibles. Ça, par contre, ça va pas le faire. Moi, je suis bien caché. Ok, il y a vraiment un Enderman. Ok, il y a vraiment un Enderman. Il y a vraiment un Enderman invisible. Mais donc vous avez vu que quand on casse un bloc, simplement, ça explose. Je sais pas comment j'aurais fait cette vidéo, mais je crois que c'est vraiment une fonctionnalité en fait principale de ce truc, c'est qu'il y a des Endermen invisibles. J'ai l'impression. Je vais mourir. Ah non, par contre, non. En vrai, si je fuis, ça va pas le faire. Voilà, on va commencer très bien, regardez. Ok, est-ce que je pourrais te taper? Voilà, il est là. En fait, il est invincible si ça se trouve. Non, c'est bon. Ok, c'est bon, c'était vraiment juste un Enderman normal. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que même si je casse ce bois-là, vous avez vu, en fait, il se transforme en bois de jungle, ce qui fait que tout le bois que je... C'est vrai que ça explose, j'avais oublié. Ok, donc pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des Endermen invisibles, il y a ça, qu'il faut surtout pas marcher, il y a des fois, je crois qu'on trébuche, j'ai pas trop compris, et il y a aussi tous les blocs qu'on casse, ils explosent. Non, mais même quand on casse l'herbe, en fait, ça explose. Pouf. Comment ça? Le mouton s'est téléporté dès que je l'attaquais, je crois qu'il est là-bas, c'est ça, c'est vraiment lui, là-bas c'est le mouton. Ok, alors du coup normalement, eux je peux les one-shot, ce qui fait que c'est mieux, voilà. Il est mort autre part, bien sûr, hein. Quand il meurt, du coup il drop après être mort. Là, il est là, non, c'est pas ça. En vrai, j'arrive bien à bouger parmi les herbes. Oh non, ça va être la nuit. Non, par contre, la nuit, ça c'est pas cool. Vous avez vu les squelettes? Bah, ils ont des chaussures, ce qui fait qu'ils sont très méchants, donc va vraiment pas falloir que je les approche. Mais le truc c'est que si j'ai pas de nourriture, non, par contre, ça va pas le faire, là, je vais mourir. Mais non, mais arrête de te téléporter, toi, déjà j'essaie de survivre entre le poison. Hop. Mais comment ça les... Ah bah oui, si on pouvait tuer les creepers, ce serait trop normal. Là, c'est pas normal. Là, c'est fait pour être bizarre, c'est le but. Tu pourrais mourir, toi, en fait. Il est là-bas, c'est bon. J'ai enfin tué un animal. Je vais pouvoir avoir de la nourriture et tout ce qu'il faut. Il est mort là, voilà, il est mort là. Et en vrai, j'arrive bien à me déplacer, vous avez vu, parce que chaque truc d'herbe, ça nous tue. Non, par contre, c'est vrai que... Ok, il y a un creeper qui est mort. Je vais faire un truc, j'ai une idée. Regarde. Hop. Il est pas mort. Tiens. Alors, normalement, si je fais ça, ça me fait pas de dégâts si ça explose. Ah, je suis tellement intelligent, vous avez vu, ça m'a fait un demi-cœur. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ce... J'ai pas envie de savoir d'où ça... Comment ça? Non, c'est pas normal. Mais non, mais pourquoi il y a autant d'abeilles? Mais non, mais c'est mon point de spawn. Je vais mourir en boucle, là. Heureusement, j'ai la tactique, là, pour miner les trucs. Voilà, parfait. En vrai, je suis un pro. En plus, non, est-ce que je pourrais avoir... Je sais pas pourquoi, mais vraiment, des fois, tout simplement, bah, en fait, on peut plus avancer. En fait, on est bloqué dans un truc. Et par contre, les creepers, mais bon, c'est parti pour souffrir. Là, je suis encore à la phase de voir récolter du bois. En fait, c'est les araignées qui ont un problème. Ok, il y a l'eau qui s'en va. Bah, c'est cool, ça. Comme ça, si j'ai besoin de faire un MLG, ça va très bien marcher. Hop. Non, mais le truc, c'est que vraiment, chaque bloc explose, en fait. Il y a une araignée, faut pas... Il y avait un squelette. Ou alors c'était ses fesses, je sais pas. Comment ça je me fais tirer? C'est les abeilles qui me tirent dessus, je crois. Enfin, qui me pincent, qui me cliquent, qui me pouf. Est-ce que je pourrais au moins tuer des animaux? Ils me spawn kill. Ça va toi sinon? Ça a pas l'air d'aller. C'est même, vous avez pas remarqué, en fait, le problème, c'est que les explosions, en fait, elles donnent pas les blocs. C'est-à-dire, imaginez, par exemple, que je casse ça, ça va pas me donner, genre, toute la terre et tout. Tu vois, ça m'a juste donné un truc de terre. Si je fais comme ça. Ah, c'est facile, Minecraft, dis donc, hein, on peut survivre au moins 5 secondes sans mourir. Non, par contre, comment je suis censé faire, du coup? Comment je suis censé nager? Je sais pas pourquoi je suis remonté là, par contre. Hop. Voilà, il est là. Parfait. Parfait, mon poulet. Oh, il y a du charbon, ça par contre, ça c'est génial. J'espère juste qu'il va pas m'exposer à la figure. Oh, il y a un bateau là-bas. Ça par contre, ça c'est cool. Ah, je suis en train de me faire tirer dessus par un zombie bizarre là. Genre les zombies qui ont des tridents et tout. J'arrive à fuir. De toute façon, j'adore ma vie. En fait, il y a un petit pourcentage de chance que quand je pose un bloc ici, bah il aille là-bas. Enfin, tout simplement qu'il aille là où il faut pas. J'imagine même pas devoir faire ça en perdant son stuff à chaque mort. Hop là. Bonjour petit poulet, où es-tu passé? Bah apparemment pas là. Je parle pas du serveur de Fuse. Je me suis mal mis en même temps. Oh, un bâton.
Ah mais Multicore, arrête de faire le débile et va miner. Quand ça explose à chaque fois que je casse un bloc, ça va pas le faire. Mais si Multicore, si je veux être un pro et de faire un truc comme ça. Comme ça, genre là je suis caché. Et hop, j'ai pas pris trop de dégâts. Trop bien. Je prends seulement 4 coeurs de dégâts dès que je casse un bloc, comme ça. Non, au pire, j'ai une idée, vous savez quoi, vu que je spawn ici. Voilà, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, regardez, il est avec son lama. Salut, monsieur, comment ça va? Pouf. Et hop, regardez, par exemple, ici, on a dû faire. C'est génial, ça. Et hop, là. Si je me mets là. Ils sont quand même sympas, mes escaliers, en vrai. Pourquoi il fait noir, d'un coup? C'est quand je suis en dessous de la couche 45, j'ai de la blindness. Chaque jour, on découvre de nouvelles choses avec ce plugin. Comment ça, tu me tires dessus, toi? T'es au courant que t'es su... Aïe! Est-ce que je prends du charbon, ici? Si je le prends là, je vais pas mourir. Je suis trop intelligent, quand même. Oh là là. Là, non plus. Je suis trop intelligent. Comment ça, t'es là, toi? Mais genre, vraiment, je suis en train d'avoir peur d'un lama. Qu'est-ce qu'il fait dans ma mine? Je suis dans ma mine avec de la blindness. Et l'autre, il vient. Ça fait vraiment super peur, par contre. C'est toujours aussi facile, dis donc, de bouger. Mais pourquoi vous avez... Mais pourquoi y a ça? C'était où le bateau? Au de l'eau, bah je vais pouvoir sauter sans aucun problème. Comment ça? J'ai les squelettes qui me tirent dessus alors que je suis à 53 km et qui me one-shot. Normalement, elle, je peux les taper. Ah voilà, c'était par là le bateau. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de me faire tirer dessus par un squelette. Ok. Et par des plantes et par des araignées. Heureusement que je suis un pro en jump. Hop là, tu vois une chose par-dessus les trucs. Et hop là, je l'ai touché. Il y a un creeper. C'est vrai que les creepers, quand on les tape, en fait, ils se multiplient. Je pense que vous avez remarqué. Hein. Bonjour, je cherche. C'est pas par là. C'est. Si, c'est par là. Comment je suis censé boire en fait s'il y a de l'eau qui s'en va? Ok, alors j'ai bien fait en fait. Mais c'est vrai que les blocs se posent n'importe comment. J'ai vraiment passé 20 minutes à casser des arbres pour avoir du bois. Et au final, le peu de bois que j'ai se pose n'importe comment. Ce qui fait que je peux pas vraiment essayer de faire un pont pour aller sur l'île. Il est là, voilà. Vous savez, je suis trop intelligent. J'ai vraiment cette orientation de malade. Alors, comme ça. Comme ça. Comment ça, je voudrais me faire poursuivre par un zombie des mers? Hop, voilà. Voilà, je suis en vie. Arrêtez de me taper. Je veux bien que ce soit compliqué, mais au bout d'un moment, faut que j'arrive quand même à avancer parce que je sais que c'est faisable. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fini. Imaginez jouer à ça en mode hardcore. Genre, si tu meurs, ça supprime le monde. Et ben moi, j'aurais déjà un disque dur entier de supprimer. Il y en a beaucoup. Il y en a plein des creepers, c'est drôle. Voilà, voilà, génial. J'ai pas beaucoup de blocs. J'en étais sûr. Je suis encore en vie, attendez. Oh là, par contre, là, mon île, elle est géniale. Elle a volé, c'est trop drôle. Je me souviens d'un truc, je crois, je me souviens de la vidéo. Bah voilà, je sais plus combien de temps ça prend, mais je crois que ça prend genre facilement une heure en fait à cuire. Du coup bah ça cuit jamais tout simplement. J'ai rien de mourir alors que ça faisait une demi-heure que j'essaie d'aller sur l'île. Je suis quand même hyper intelligent. Ah moi ça là, je commence un petit peu à connaître le chemin pour aller sur l'île. J'aimerais piller les coffres qu'il y a ici. J'espère qu'il y a des... Crah, je l'ai tué. La grosse moche. J'adore la vie. Oh mais ça, ça se mange, ça c'est parfait. J'ai oublié ce léger détail comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça vous partez. Et hop, on aura un mouton. Je suis trop intelligent quand même. Est-ce que je pourrais partir, voilà, avant que ça explose? Ce serait bête quand même que je puisse pas. Comment ça? Aïe, ça pique. Ok, ça pique. Ok, il y a une cave, ça va pas m'aider. Je cherche un village en fait, hein, pour trouver un iron golem ou des coffres. C'est trop bien. C'est les fleurs bleues, mais je me souviens, j'avais entendu un truc parler de ça. Merci. Pour le fer, ça m'aide pas. Non, vraiment, là, par contre, je suis vraiment en recherche de fer. C'est-à-dire que le reste, j'en ai plus rien à faire. C'est marrant, vous avez vu, c'est une blague. C'est du fer, c'est rigolo. Est-ce que je casse mon lit? Ouais, j'imagine bien les villageois qui habitent dans ce monde. Bah, ils doivent être hyper résistants, je pense. Comment je suis censé faire? Est-ce que je peux faire un truc là comme ça, vous allez voir. Hop, ça a marché, vous avez vu? Ah ah, vous êtes coincés, bande de nulos. Comment ça, tu passes par au-dessus? Genre, vous êtes trop intelligent. Depuis quand les zombies, vous êtes aussi intelligents? Ah bah, dis donc, ça me rappelle quelque chose, cet endroit. Oh, il y avait un squelette juste là. Donc j'ai fait une petite mine donc qui mène juste ici. Je vois rien. C'est drôle. Non, c'est pas drôle. Je crois vraiment dans un jeu d'horreur là. J'espère qu'avec la musique de fond, c'est hyper stylé là. Oh, Multicore, je suis le squelette qui te parle. Il est juste là. 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 Oh, il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un. Du coup là je suis revenu à peu près donc là où j'ai spawné, vous avez vu là-bas il y a les arbres. Ok alors toi par contre là, tu vas t'en aller. J'ai une idée si ça marche, vous allez tous me dire pourquoi tu y as pas fait avant, gnagnagna. Oh ça... Non, si à peu près. Oh un bateau, j'avais pas vu du tout, j'avançais parce que c'est vrai qu'en fait on voit un peu rien. Mais il y a un bateau. Comment je suis censé monter? Bah là, j'aurais pouvoir monter là. Est-ce qu'il y a pas genre un autre coffre ici? Voilà, il y a le coffre du capitaine. C'est par là, c'est bien par là. Ok, c'est bien devant moi.
C'est vraiment une super fonctionnalité, donc de la 1.13, parce qu'en fait c'est pas compliqué je pense à trouver les cartes au trésor, parce que là par exemple j'ai très bien reconnu en fait le continent. Juste là, normalement, si je dis pas n'importe quoi, on devrait avoir quelque chose. Donc... c'est totalement ce bloc là, donc c'est parti. Il est là, voilà, parfait, je suis trop intelligent, c'est bon, je l'ai trouvé. Oh, c'est j'ai tout ce que... Et bah, assez étonnamment, on a bien avancé. Grâce à ce trésor, j'ai pu trouver enfin du stuff qui va me permettre du coup de pouvoir aller dans le Nether, aller dans l'End, voire même peut-être simplement finir le jeu. Jusque là, j'avais donc énormément de mal à faire les choses basiques, donc trouver du bois, etc., trouver du stuff. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui, ça fait déjà environ 1h30 que je filme, donc avec le montage, ce sera bien plus court que ça. S'il y a 5000 likes, je vais faire un épisode 2, voilà, je fais ça comme ça. Je pense qu'en vrai, là, j'ai le stuff pour continuer. Voilà, on va voir si jamais il y en a un épisode 2, honnêtement, c'est pas sûr du tout, mais si jamais il y en a un, bah ce sera sur cette partie. On va continuer, on va voir ce qu'on peut faire, parce qu'il y a quand même encore tout le Nether à tester. Et je suis sûr, connaissant Fendi, qu'il y a plein de nouveaux trucs dans le Nether et plein de nouveaux trucs dans l'End et tout, plein de trucs hyper bizarres. Donc j'ai hâte de tester ça. Et c'était vraiment hyper compliqué. Waouh, j'ai galéré, mais on a enfin réussi à bien avancer. Carré, trabo, ça n'a que des avantages. Tu deviendras très beau, c'est super d'être beau. Abonne-toi, ça n'a que des avantages. Tu deviendras très beau.